Good morning, afternoon, evening, everyone, and welcome. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Giovanna Vio et je suis spécialiste de la protection de l'enfance auprès de l'UNICEF et je suis aussi consultante CAFA. Et c'est un plaisir ici d'être avec vous afin de modérer cette session sur la protection de l'enfance au niveau de la communauté et entre les secteurs. Encore une fois, bienvenue à tous. Ici, des aspects techniques de cette réunion, vous pouvez envoyer un message directement dans le chat à nos producteurs. Et pour cette session, j'aimerais présenter Riyad Al-Najem, qui est le coordinateur de l'ONG Ouras Network. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de participer à cette session aujourd'hui. Merci. De même, pour vous donner un cadre à cette session, lorsque l'on engage des communautés à toutes les étapes du cycle de programmation, la programmation intersectorielle ici devient indispensable. Il est important d'obtenir le soutien des communautés, des familles, car ceci peut ensuite permettre d'améliorer les résultats de nos programmes et donc les résultats pour les enfants et en matière de protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous reviendrons sur différentes perspectives. Comment est-ce que nos intervenants sur le terrain ont procédé? Je vais donc vous les présenter. Nous avons la chance avec nous d'avoir trois organisations de premier rang avec nous, avec différents intervenants. On ne va pas s'ennuyer ce matin. Et je commence tout de suite. Nous aurons nos collègues de plan international, Selena Fortic, ici, donc responsable protection plan Philippines, Gertrude Ndolouf, de plan international Zimbabwe, et Claire Lofthouse, ici, responsable technique. Et nos collègues de plan vont partager avec nous leurs enseignements, ce qu'elles ont appris ici en matière d'engagement de la communauté sur le thème du mariage des enfants. La deuxième organisation aujourd'hui concerne Save the Children. Nous avons Roberta Gadler, conseiller technique, et Saleh Koudark, ici, qui travaille au Mali. Et vous reviendrez ici sur le travail humanitaire et la coopération multisectorielle pour protéger les enfants les plus vulnérables. Et enfin, nos collègues de World Vision International, Lynn Descat, conseiller technique, et Edouard Ngoy, directeur des opérations, qui travaille en République centrafricaine. Ils vont venir sur la localisation et ses impacts. Comment est-ce que World Vision a su écouter les populations et les communautés et les impliquer dans la conception de la planification ici des programmes? Alors, vous voyez que ces échanges vont être très riches. Et avant de passer la parole à nos intervenants, j'aimerais en fait commencer par Manti. Et passer la parole à Riyad. Bonjour, bonjour à tous, à nouveau. Alors, on va commencer par une question. Comme le disait Giovanna, une petite question pour vous. Donc, vous pouvez donc ici cliquer sur le lien Menti, qui est dans la boîte de discussion. Et notre question est, quelle est votre expérience s'agissant ici du travail directement au niveau des communautés en matière de protection de l'enfance? Alors, vous voyez plusieurs options de réponse pour estimer donc votre expérience dans le domaine.
So I'm not sure if we're going to see the results. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir afficher les résultats. Je pense que oui, voilà. So we have a bit of a diverse, Alors, c'est intéressant. Les réponses ici sont différentes. La plupart d'entre vous avez un peu d'expérience. Certains ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est parfait. Ça va nous permettre d'alimenter justement que la discussion d'aujourd'hui. Et vous pourrez probablement partager vos expériences avec nous après ces présentations de nos intervenants. Et nous avons une deuxième question, parce que nous avions donc deux questions pour vous sur Menti. Et la deuxième question est la suivante. Sur la base de votre expérience, avez-vous donc trouvé ça difficile de travailler entre les différents secteurs? Donc voici la question qui s'affiche, telle que vous l'avez sur Menti. Alors, je vois que nombreux sont ceux qui pensent que c'est en effet complexe. Right. Parfait. I think we do have our answer, and I think the Menti will be still open. So if anyone did not. Et n'hésitez pas d'ailleurs, vous pourrez voter également, participer un peu plus tard si vous n'avez pas eu le temps de vous connecter à Menti. Giovanna, c'est à vous. Merci, merci Riyad. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'ici, on voit qu'en effet, vous avez trouvé ça complexe, mais aussi beaucoup de réponses qui nous disent que ce n'est pas si complexe. Donc, c'est parfait. Je pense que là encore, cela donnera matière à nos discussions. Alors, avant, encore une fois, de passer à nos panélistes, ici à nos intervenants du jour, alors, vous aurez donc des présentations. Chaque organisation va s'exprimer pendant à peu près 10 minutes. Après chaque présentation, nous partagerons des liens Menti dans la boîte de discussion où vous pourrez partager si vous avez des commentaires, des suggestions, tout ce que vous souhaitez partager avec les intervenants, avec ces organisations, tout ce qui peut susciter votre intérêt, ou un thème sur lequel vous souhaiteriez rentrer dans plus de détails. Alors, de même, ici, vous aurez donc la possibilité de cliquer sur les liens Menti. Et après ces 30 minutes, ces trois organisations, nous aurons une petite pause de quelques minutes et nous pourrons travailler en groupe de travail pendant 20 minutes à peu près. Et nous verrons ici comment ici nous pourrons donc organiser ces sessions, ces groupes de travail, afin de pouvoir, après, pendant la dernière partie de cette session, répondre à vos questions avant de clore la session. Alors, si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la boîte de discussion. Eh bien voilà, je pense qu'on peut tout de suite commencer et sans plus attendre, donc je vous présente nos premiers intervenants de la journée. Alors tout à l'heure, je vous les ai déjà présentés. Selena et Gertrude, vous avez 10 minutes pour votre présentation, donc c'est à vous. Merci Giovanna. Bonjour à tous. Je suis Selena Fortich. Je travaille pour Plan International aux Philippines. Je suis responsable de la protection de l'enfance. Et avec ma collègue Gertrude, ici, nous allons faire cette présentation. Nous allons partager avec vous nos recommandations, les leçons que nous pouvons tirer ici, de notre recherche en matière de mariage des enfants, ici. Okay. This research was the cornerstone of... Cette recherche fait partie de l'initiative sur le
de lutte contre le mariage des enfants. L'objectif était de pouvoir collecter des informations et de pouvoir répondre au mariage des enfants dans le cadre de l'action humanitaire. Avec nos différents partenaires, nous avons donc effectué une recherche centrée sur les filles afin de voir eh bien, quel était le résultat pour les adolescentes, pour les jeunes filles ici, de ce contexte humanitaire pour ces jeunes filles et le mariage. Donc, c'est une étude qui a eu lieu dans les zones de conflit, y compris en prenant en compte l'insécurité. Dans le cadre de nos méthodes, nous avons utilisé des méthodes différentes pour collecter et analyser les données, y compris ici des entretiens avec des processus, avec des organisations institutionnelles, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile. Nous avons aussi mené des activités de participation en groupe et des ateliers de co-analyse avec les différentes parties prenantes. Nous avons aussi invité différents experts. Nous avons utilisé différentes méthodes de recherche, y compris la méthode qui s'appelle SenseMaker, qui correspond à un outil de témoignage et de narrative qui regroupe ici des expériences qui sont partagées et transcrites. Et c'est intéressant parce que cela permet à ceux qui répondent de pouvoir ici utiliser aussi des visuels pour étayer leur narrative. Et c'est important pour que l'on puisse prendre en compte aussi leurs expériences. Même chose, cette méthode SenseMaker utilise également l'approche basée sur le respect des victimes. Et c'est intéressant parce que cela permet aussi de donner un témoignage sans nécessairement partager sa propre histoire. Nous avons collecté ici de nombreux témoignages sur ce mariage des enfants qui ont été ici eh bien, racontés en utilisant ici la troisième personne. Cela suggère ici que SenseMaker, cette méthode, a été vraiment l'opportunité de faire entendre la voix de ces adolescents et cela a permis aussi de partager leur traumatisme pour les participants. Nous avons eu 3893 membres de la communauté qui ont participé. 273 identified as being girls, y compris 52% d'adolescents et 273 filles mariées, 62 ici garçons mariés et 35 qui n'ont pas ici déclaré leur statut marital. Donc 58 personnes de femmes ou de filles qui ont ici répondu. Nous avons eu plus de 1000 adultes et plus de 2000 adolescents. Donc adolescents, 52% de 12 à 19 ans. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Gertrude ou Claire pour partager ici sur les succès de notre recherche, les résultats. Thank you so much, Selina. I just want Merci, Selina. Gertrude, I think I can hear your audio. Are you able to present? Gertrude, je ne sais pas si vous nous entendez. No. Okay. Okay. Peut-être pas. Donc, dans ce cas-là, je suis désolée, nous avons eu quelques difficultés techniques ici. Thanks so much, Selina, for taking us Merci, through. Selina,
pour avoir présenté cette méthodologie de cette étude menée dans deux pays. Et aujourd'hui, je voudrais partager nos succès parce que là encore, un des éléments qui nous a semblé vraiment important, qui est un réel succès, et que nous avons pu creuser dans les normes socioculturelles ici, qui sont à la source du mariage des enfants. Et ça, c'était un réel succès pour nous. Et cela nous a aussi permis d'explorer ces différentes dimensions de l'impact de cette crise et des crises humanitaires sur cette décision de marier les enfants, grâce justement à la méthodologie utilisée. En fait, nous avons utilisé différentes méthodologies, comme Selena l'a dit, et nous avons utilisé SenseMaker. Et nous avons aussi pu mener une recherche à grande échelle, malgré les difficultés de ce type de recherche et dans le contexte de la COVID-19. Comme vous le savez, cette crise sanitaire a rendu les déplacements difficiles. Alors, il nous a fallu 2 ans pour mener cette étude, 2020 à 2022. And this is in no small part due to the flexibility and coordination. Et évidemment, eh bien, nous avons tout de même réussi à mener cette étude grâce à la flexibilité de nos partenaires de recherche, mais aussi à nos représentants sur place. Il a fallu évidemment s'adapter tout en respectant le code de déontologie. Et nous avons aussi dû maintenir toutes les précautions en matière de lutte contre la COVID-19 et dans le respect de toutes les mesures sanitaires mises en place par ces deux pays, objet de la recherche. Et puis nous avons aussi pu donc enregistrer de nombreux témoignages auprès de la communauté. Près de la moitié ont été racontés par des adolescents. Donc, c'était important pour nous. Et donc, les participants ont choisi ici les informations qu'ils souhaitaient partager, les éléments les plus importants, avec cette méthodologie ici de narrative. Nous leur avons posé des questions ouvertes. Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire pour eux d'être mariés en tant que jeunes adolescents? Et afin de pouvoir voir quelles étaient leurs réponses, l'objectif étant évidemment de pouvoir entendre la voix des adolescents. Nous avons pu également impliquer la communauté grâce aux outils d'adaptation, grâce aux différents tests et le processus de co-analyse qui ont permis de générer des données secondaires qui ont pu être ensuite intégrées dans nos résultats. Et je vais repasser la parole à Célina pour revenir sur les défis et les leçons apprises. Merci Claire. Alors, je suis désolée, ma connexion n'est pas très bonne, donc je ne vais pas rallumer ma caméra. Alors, par rapport ici aux défis rencontrés, alors, tout d'abord, est-ce que nous aurions pu arriver aux mêmes conclusions avec moins de données? L'implication ici des communautés, ici, veut dire que nous avons dû collecter énormément de données. Donc, cela a été parfois complexe au niveau de la coordination et de l'implication de la communauté dans le cadre ensuite du traitement des données. Donc, en tant qu'équipe, nous nous sommes posé la question, est-ce que nous serions arrivés aux mêmes conclusions avec moins de données? Cela étant dit, c'est une réelle richesse et nous avons pu ainsi trianguler les résultats. De même,
Nous avons ici travaillé avec nos partenaires pour essayer de voir à quoi l'étude aurait pu ici eh bien ressembler si on avait pris en compte que les adolescentes mariées, par exemple. Alors, les autres défis ont été clairement la planification, la crise sanitaire de la COVID-19, les budgets, le renforcement des activités et clairement les analyses multisectorielles de qualité sont chronophages. Donc, cela veut dire qu'il nous a fallu vraiment mettre beaucoup d'éléments en place. Et très souvent, des priorités étaient données à la COVID-19, à renforcement des capacités. Et pour atteindre donc les analyses, cela n'a pas toujours été facile. Il aurait fallu aussi plus de ressources pour le bureau national et avoir des attentes claires s'agissant ici de tous ceux qui allaient être impliqués dans ce processus. Nous aurions dû ici évaluer les forces et faiblesses de chaque partenaire afin de bien comprendre et de pouvoir voir quelle était notre marge de manœuvre en matière de flexibilité. À l'époque, évidemment, cela restait ici un nouveau sujet avec l'implication de ces méthodes. Donc, pour les bailleurs de fonds, ça a été une première difficulté au niveau budgétaire. Un autre défi, eh bien, nous n'avions pas assez prévu d'accompagnement psychosocial pour tous ceux qui allaient collecter ces données pour l'équipe de recherche. Même si nous avions prévu certaines activités, qu'il y avait une formation, je pense que en se basant sur les commentaires des équipes, eh bien, cela n'a pas suffi, surtout au Zimbabwe. Lorsque nous avons vu le partage de toutes ces histoires concernant la violence ici impliquée dans toutes ces narratives, il aurait été donc intéressant d'avoir ici un meilleur accompagnement psychosocial. Et personnellement, eh bien, je sais que je n'avais pas une grande connaissance ici du mariage des enfants. Et c'est vrai que lorsque l'on passe dans ces zones rurales, eh bien c'est vrai que certaines de ces histoires m'ont énormément touchée et j'y pense encore à l'heure actuelle. Donc je pense en effet que les équipes de recherche auraient pu bénéficier d'un meilleur accompagnement, d'un meilleur soutien. Donc voici ici certaines de nos défis. Et Claire, je vous passe la parole pour d'autres recommandations clés. Merci, Célina. Alors, je vais être brève ici sur ces recommandations. Alors, évidemment, on pourra rentrer dans les détails lorsque nous ferons nos sessions en groupe de travail. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que malgré les différents défis, grâce à cette recherche, eh bien, cette recherche participatoire est réellement possible dans le contexte humanitaire. Nous avons également vu que ces processus, ces ateliers internes au sein de la communauté ont été extrêmement importants et nous avons aussi obtenu donc toutes ces données que l'on appelle des données secondaires. Et je pense que là encore, cela nous a apporté réellement des connaissances très importantes. Et comme Célina l'a dit, est-ce que nous aurions pu atteindre la même conclusion avec moins de données? Je pense que lorsque l'on regarde l'articulation de ces éléments, eh bien, nous devons ici chercher à répondre ici à cette question. Lorsqu'on partage plus de des milliers de témoignages, c'est vrai que ça fait énormément d'informations à traiter. Nous pouvons également dire qu'il y a de plus en plus d'études qui sont menées sur ce thème du mariage des enfants. Je pense que ces recherches sont très importantes. Ce sont des éléments de preuve qui pourraient être utilisés s'agissant ici de décisions à prendre. C'est important, avant de vous engager dans cette collecte des données,
que vous avez tout d'abord déjà parcouru les éléments de preuve déjà disponibles, les éléments, les données déjà disponibles pour ne pas juste réinventer la roue. Et il est essentiel également de s'assurer que les équipes de projet ici disposent des ressources nécessaires. Alors, je sais qu'on doit tous ici lutter avec les mêmes contraintes, y compris les contraintes budgétaires, mais il est absolument important de conserver cette flexibilité. Et pour ce faire, ici, il faut des budgets. Les retards sont nombreux, surtout en matière de recherche humanitaire. Et comme c'est les maladies, je pense qu'il est important de prendre en compte le bien-être de vos équipes de recherche. Évidemment, c'est important en tant que professionnel de la protection de l'enfance. On s'inquiète toujours pour la communauté et pour les participants. Et parfois, on ne fait pas attention à soi dans le processus. Donc, il est important ici d'allouer le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, pour vous assurer ici que vous avez bien les informations nécessaires pour soutenir de manière efficace les membres de vos équipes. Alors, je serais ravie ici de partager avec vous les liens avec ces rapports, pour ce rapport ici, qui ont été menés donc aux Philippines et au Zimbabwe. Je vous retrouve dans le groupe de travail pour une discussion plus en détail. Je vous remercie et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons donc pas pu entendre Gertrude, mais elle était dans la préparation de ces diapositives en tout cas. Avant de passer à nos collègues de Save the Children, il y a un lien dans le chat vers un Mentimeter où vous pouvez partager vos réflexions sur la présentation que vous venez d'entendre. Et peut-être que cela pourra ensuite être apporté dans les sessions, dans les salles de réunion virtuelles plus tard. Je vais maintenant donner la parole à Roberta Gadler et Salek Ulda de Save the Children International, mes anciens collègues. Roberta et Salek, je vous donne la parole. Je vous préviendrai dans le chat lorsqu'il vous restera 2 minutes. Merci, Giovanna. Merci, bonjour à tous. Salek va débuter, je prendrai la parole ensuite. Merci beaucoup, Roberta. Bonjour à tous. Je suis content de partager avec vous notre expérience concernant le fait d'intégrer le caractère central de la protection dans le travail humanitaire, dans tous les secteurs, afin de protéger les enfants les plus vulnérables contre toute atteinte. Pour vous donner un petit peu de contexte, le Mali est affecté par le conflit depuis 10 ans. Le conflit est entre le gouvernement et des groupes armés, mais il y a également de la violence intracommunautaire qui s'étend du nord et du centre au sud du Mali. C'est un contexte extrêmement compliqué pour protéger les enfants. D'après certaines sources, 4,1 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire cette année. Il y a une augmentation du nombre de violations graves contre les enfants dans le conflit. D'après le dernier rapport de 2020 du secrétariat des Nations Unies, nous avons plus de 800 violations graves qui ont été relevées en 2020. C'est une augmentation de 20%. Et actuellement, d'après le cluster éducation du rapport, Martial, il y a 1731 écoles qui sont fermées en raison de l'insécurité, ce qui affecte 519 300 enfants. Cela représente 60% des écoles qui sont fermées à cause de l'insécurité dans la zone. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Concernant notre engagement
Au niveau de la protection centrale, il y a deux parties sur lesquelles nous nous concentrons. Tout d'abord, l'engagement de la communauté, le plaidoyer. Et l'engagement avec des acteurs non étatiques armés. Donc, nous nous concentrons sur ces deux différents éléments. En termes d'engagement communautaire, cette expérience s'est basée sur l'incident qui a eu lieu en 2019 où 60% des enfants de deux villages ont été assassinés. Et il y a eu une déclaration qui a été réalisée suite à cela par les jeunes et les enfants, puis une campagne proactive par les ambassadeurs de la paix des jeunes avec une coalition sociale. Suite à cela, nous avons eu un engagement de la communauté et des chefs religieux en faveur de la protection des enfants. Ils ont compris la nécessité de la protection des enfants et d'arrêter la violence. Ils se sont engagés à soutenir les jeunes et les enfants. Suite à cela, en ce qui concerne la déclaration sur la sécurité à l'école, à la suite de la fermeture des écoles, les partenaires, les enfants se sont engagés dans une campagne pour avoir du soutien de la communauté. Et les leaders communautaires ont commencé à soutenir donc cette initiative et à sensibiliser les acteurs armés non étatiques. Je pense que maintenant, Roberta va parler de certains défis par rapport à cela. Concernant notre engagement avec certains acteurs armés non étatiques, en 2021, et en 2020, nous avons eu des dialogues directs avec les groupes armés et ils ont signé un accord de paix et se sont engagés à protéger et surtout à respecter la loi humanitaire internationale. Et nous avons eu des résultats positifs suite à cette initiative. Roberta, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Salek. On peut passer à la diapositive suivante. Concernant toujours donc cette approche centrale de protection de l'enfance et le programme intégré, c'est l'un, comme vous l'avez dit, l'un de nos piliers, en particulier dans cette région du Mali, pour la protection de l'enfance avec l'éducation ainsi que les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial. Nous avons un mécanisme qui s'appelle RAPID qui vise à répondre aux problématiques de protection de santé mentale, d'éducation pour les enfants de plus de 13 ans ainsi que les soignants. Cela fournit un accès rapide à des écoles sécurisées. Et cela répond également à leurs besoins de protection grâce à une gestion des cas et avec des services de santé mentale et de soutien psychosocial. Nous travaillons également avec des professeurs pour renforcer leurs capacités sur la protection de l'enfance, sur une pédagogie inclusive et adaptée au genre, une discipline positive, des soins psychologiques, avoir la capacité de travailler avec des enfants et de ne pas s'intéresser qu'à l'éducation, mais également aux besoins de protection des enfants. De plus, nous travaillons avec les communautés. Nous soutenons plus de 60 comités communautaires et des plateformes multisectorielles qui ont été formés pour être en capacité d'identifier et de référer des enfants à des services adéquats
ainsi que renforcer leur capacité pour le suivi au sein de la communauté et ensuite donc identifier les enfants en besoin de scolarité, par exemple. Par rapport à l'assistance en espèces et sous forme de bons, cela comprend des critères en lien avec la protection, des critères d'éligibilité pour les foyers, pour qu'ils puissent recevoir cette assistance en espèces. Nous avons formé du personnel pour identifier et référer les cas dans le besoin. En particulier les foyers victimes de violence ou liés à la violence. Et nous avons inclus une évaluation des résultats, des conséquences de cette assistance pour pouvoir suivre et comprendre les conséquences, les effets sur la protection de l'enfance de notre programme d'assistance en espèces. Comme Salek l'a dit, voilà une idée un petit peu de ce que l'on a accompli dans notre processus. Diapositive suivante. Concernant l'engagement, comme vous l'avez entendu, nous avons eu des engagements des communautés locales, des chefs religieux, communautaires, pour promouvoir la protection de l'enfance et un accès plus sécurisé pour les écoles, par exemple, avec l'ouverture, la réouverture de certaines écoles qui ont été fermées à cause de l'insécurité, grâce à des dialogues entre les leaders et les groupes armés. Donc, l'engagement de ces groupes armés non étatiques est quelque chose que nous avons hâte de voir en pratique pour renforcer la protection des enfants. Ils sont déjà engagés à relâcher les enfants de leur groupe pour accroître l'accès humanitaire et réduire également l'occupation et les attaques contre les écoles. Ces deux dernières années, nous avons remarqué que nous avons un meilleur accès à certaines communautés et aux personnes dans le besoin. Et voilà quelques chiffres sur l'assistance en espèces et en bons. Dans une étude, nous avons vu qu'il y a une contribution positive de cette assistance en espèces pour améliorer les relations familiales. Et cela réduit les risques les plus communs de protection de l'enfance, le mariage forcé, la violence physique, le fait de quitter l'école, la violence basée sur le genre. 82% des foyers ont pu être qui ont été aidés grâce à cette assistance ont répondu à cette enquête. Donc il y a beaucoup d'informations. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup à vous deux. C'était une approche très intéressante. Est-ce que nos participants souhaitent partager leurs réflexions, leurs questions? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous amène vers un Mentimeter et vous pouvez également les écrire dans le chat pour pouvoir y répondre à la fin. Nous avons maintenant notre troisième organisation, donc les collègues de World Vision International, Lynn, Eka et Edouard Kohn, de World Vision en RCA, donc en République centrafricaine. Je vous donne la parole, Edouard. Vous avez 10 minutes. Je vous ai déjà donné les informations tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour où que vous soyez dans le monde. C'est un plaisir de travailler avec vous. Aujourd'hui, avec mon collègue Edouard, nous allons vous parler d'une recherche qui est
très en lien avec ce que nous avons entendu juste avant. Nous allons parler de comment World Vision en République centrafricaine a travaillé avec des chercheurs pour écouter les populations dans la région de Bangassou à partir de la phase initiale du projet, comment ils ont adapté la conception et la planification du projet des interventions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Édouard va nous donner un petit peu d'informations de contexte. Merci, bonjour à tous. Merci, Lynn. Pour vous donner un peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la République centrafricaine, c'est une zone où il y a beaucoup d'insécurité politique avec également une récession économique répétitive. Donc le pays a été affecté par cela et la résilience des personnes a été continuellement érodée. Les enfants subissent évidemment les impacts car ils sont les plus vulnérables ainsi que leurs familles. Ils ne sont pas souvent entendus dans la planification de programmes pour exprimer leurs priorités. Il y a très peu de données de la part des services gouvernementaux en particulier. Et cela ne nous permet pas de comprendre la protection de l'enfance, l'éducation et les moyens de subsistance en République centrafricaine. World Vision travaille dans la zone de Bangassou, qui est du côté est du pays, comme vous le voyez sur la carte, à l'écran. Ce que nous avons fait, ça a été de manière intentionnelle de changer notre point focal pour parler avec les communautés, parler avec les enfants, les jeunes, les familles et les acteurs communautaires pour comprendre comment est-ce qu'ils vivaient la situation, mais également leurs priorités, leurs préoccupations. Et nous avons pris en compte ce que la population identifiait comme priorité, notamment en matière de protection de l'enfance, d'éducation et de moyens de subsistance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler un petit peu de la recherche, comme je l'ai mentionné. Plan international, la manière dont vous avez fait une recherche, nous avons fait quelque chose de similaire. Nous avons intégré des outils de collecte de données, nous les avons adaptés à partir des normes de l'Alliance en termes de protection de l'enfance, mais également du secteur de l'éducation, notamment les normes humanitaires principales, le CPMS, et nous avons testé cela dans le contexte du district de Bangassou. Initialement, notre concentration se centrait sur la protection de l'enfance et l'éducation, mais nous avons également remarqué très rapidement que les moyens de subsistance et le fait de réduire la pauvreté étaient complètement instrumentales. Et il fallait ajouter cette couche, car comme vous le savez, la pauvreté est un défi majeur et cause énormément de problématiques. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur une recherche qualitative avec des jeunes filles et des garçons scolarisés et non scolarisés, avec des parents, des soignants, les parents séparés ou non, et avec des informateurs clés au sein de la communauté. Cela a été un exercice très intéressant d'identifier les causes profondes et les besoins les plus urgents à Bangassou. Nous avons pris beaucoup de temps pour faire cela bien, même si on l'a entendu. Il y a forcément eu des défis pendant la période de COVID. Donc, nous avons créé une base d'un cadre logique
intégrée pour la protection de l'enfance, l'éducation et la subsistance, ciblant les différents acteurs dans l'écosystème de la protection de l'enfance, c'est-à-dire les enfants, les jeunes, inclure les enfants les plus vulnérables comme les filles, les enfants avec un handicap, les parents, les soignants et les communautés elles-mêmes. Comme je l'ai dit, nous avons identifié les causes profondes, les principaux risques et les vulnérabilités des enfants. Et cela, nous espérons, va contribuer à réaliser les objectifs ambitieux du programme de protection de l'enfance. Édouard, je vous redonne la parole. Édouard, sorry, you need to unmute yourself. Édouard, votre micro est éteint. Donc, au niveau des résultats du travail que nous avons réalisé avec les communautés, y compris les enfants, grâce à des discussions de groupe et des entretiens individuels, nous avons une vue beaucoup plus générale des défis des enfants et de la communauté. Nous avons utilisé la modélisation de projet de World Vision pour les contextes fragiles. Nous avons une approche de programme spécial pour les contextes fragiles, par exemple comme en RCA, où l'on regarde différents scénarios de ce qui peut se passer pour ces enfants, avec un scénario idéal, le pire scénario, et nous avons parlé de cela avec les communautés. Et nous avons ensuite proposé une réponse à partir de ce cadre. Nous avons également étudié les différents scénarios, si les choses changeaient dans la communauté. Et cela a été fait grâce à des processus participatifs. Cela a nourri la conception de la recherche. Et nous allons mettre en œuvre un programme dans les mois à venir et nous espérons que cela va changer la vie des enfants, des garçons et des filles. Étant donné le temps limité que nous avons, nous allons parler des défis peut-être plus tard dans les salles de réunion virtuelles, mais pour conclure notre présentation, je peux partager peut-être nos prochaines étapes. Car ce que nous avons fait avec cette magnifique équipe en RCA est seulement le début. Chez World Vision, nous voulons vraiment avoir une compréhension et un travail bien plus accru sur les enfants les plus vulnérables. Nous l'avons entendu hier. Souvent, nous nous concentrons seulement sur la protection de l'enfance et nous pensons vraiment qu'il y a la nécessité pour une approche intersectorielle sur le terrain. Donc, nous avons appris des leçons, nous avons développé ces outils intégrés. Maintenant, il faut les utiliser pour avoir une approche plus cohérente pour les contextes fragiles. Nous voulons répondre aux besoins immédiats de survie, mais également, en même temps, s'attaquer aux causes profondes et aux moteurs systémiques du conflit et de la vulnérabilité. Nous avons souligné le droit des enfants, une approche entre les trois secteurs et nous espérons que nous pourrons utiliser cela pour apporter cette approche holistique au niveau mondial. Donc, nous allons continuer à rassembler des preuves avec l'équipe en RCA, en tirer des conclusions et nous aimerions avoir un outil aligné pour que l'on puisse appliquer ce type de programme dans d'autres contextes fragiles. Je suis extrêmement reconnaissante pour le travail des chercheurs. Plan International, vous avez parlé de l'importance du bien-être des chercheurs et ils ont toute mon admiration et ma reconnaissance. Et pour votre équipe en particulier, Edouard, en tout cas.
Jiu, je vous redonne la parole. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très intéressante. Cela nourrit de grandes réflexions. Comme cela l'a été fait pour les autres présentations, nous allons copier un lien Mentimeter dans le chat. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions et nous aurons l'occasion de regarder cela à la fin. Nous sommes censés avoir une pause, mais puisque les présentations sont si intéressantes et je suis certaine que vous aimeriez en savoir plus et parler avec les orateurs, je suggère donc, si les producteurs sont d'accord, de passer directement dans les salles de réunion virtuelles. Vous pouvez démarrer, Lynn, il y a 14 participants avec vous. Bonjour à tous. J'espère que les informations que nous avons partagées vous ont été utiles. Édouard et moi souhaitons ouvrir cette salle de réunion virtuelle en vous posant la question suivante. Dans votre travail, dans vos pratiques, avez-vous réalisé quelque chose de similaire à ce que nous avons expliqué dans notre présentation, c'est-à-dire utiliser des outils intégrés sur le terrain? Si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous l'avez fait? Peut-être vos leçons apprises, vos défis. Voilà, pour ouvrir la discussion, merci. And please feel free to unmute yourself. N'hésitez pas à prendre la parole directement en allumant votre micro. Or if you have any other question, bien, si vous avez d'autres questions à la suite de nos présentations, Edouard est également avec nous. Il est responsable opérationnel de l'équipe sur le terrain dans notre bureau national en République centrafricaine. Si vous avez d'autres questions sur les défis ou les aspects pratiques de la recherche sur le terrain, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question. Par rapport à la communauté, quelle est la première étape pour se mettre en lien avec la communauté? Edouard, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Oui. À World Vision, nous travaillons dans des contextes humanitaires et parfois d'urgence. Donc, parfois, nous utilisons des approches différentes en fonction des développements. Dans un contexte de développement, nous avons un processus beaucoup plus élaboré avec une voie que nous utilisons pendant des mois pour nous présenter, pour apprendre à connaître la communauté. Dans les contextes d'urgence, ce qui se passe, c'est souvent que l'on vient pour répondre à une catastrophe naturelle, ou pas forcément naturelle, une catastrophe, et nous avons peu de temps pour concevoir un programme par rapport aux besoins de la communauté. Donc souvent, lorsque nous arrivons dans cette communauté, nous rencontrons les leaders pour nous présenter, pour expliquer notre travail. Ensuite, nous demandons à rencontrer les personnes qui sont affectées. Nous essayons de comprendre le contexte. Nous voulons rencontrer les personnes qui sont affectées par la situation pour comprendre les besoins de la communauté et ensuite concevoir nos programmes par rapport à cela. Voilà notre processus. That approach regarding getting into cette approche, contacter les enfants, les adolescents, est-ce que c'est différent? Il faut évidemment inclure la voix des enfants pour comprendre l'impact de la situation. Nous parlons des filles et des garçons qui peuvent être affectés de façon très différente.
Nous avons donc des outils et des procédures, notamment des groupes de discussion pour comprendre l'impact et la situation. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour Lynn, bonjour Tina. Tina est ma collègue. Alors, par rapport à la question, dans certains contextes, comme au Kenya, par exemple, où je suis à l'heure actuelle, avant ici d'avoir accès aux communautés, en général, c'est important d'avoir l'accord des autorités locales. Dans la pratique, on se déplace auprès du bureau de l'autorité locale, on partage nos intentions, nos activités avec eux, afin qu'ils puissent ici comprendre et donner leur aval face à cet engagement de la communauté. Donc, c'est vraiment une étape essentielle avant de commencer ce processus. Et de même, je pense qu'il est important aussi de pouvoir gagner la confiance des populations du début à la fin du processus. Lorsque l'on mène une recherche et qu'on pose des questions sensibles dans un contexte difficile, on ne peut pas juste mener sa recherche, revenir au niveau national. En fait, il faut absolument ici rester en contact avec la population. Ça, c'est important et parfois on oublie cet élément, on se concentre trop sur les processus et le bureau national. Mais je pense que c'est la leçon que je peux tirer personnellement de cette recherche. C'est-à-dire ici, il faut donner la voix aux plus vulnérables. Bonjour. Je suis Patrick du Togo. Edouard a également expliqué que parfois c'est difficile parce qu'il n'en a pas toujours le temps et il faut comprendre les défis auxquels fait face la communauté et qu'on n'a pas toujours le temps de penser à une approche, à un programme qui peut être pertinent pour telle ou telle communauté. Par conséquent, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette implication de la communauté s'agissant spécifiquement de ce qui est mis en place? Et si au sein des communautés, il serait important de voir ce que l'on peut faire. Parfois, il y a des éléments qui doivent être élaborés et qui pourraient ne pas fonctionner parfois pour certaines communautés. Donc, est-ce que vous arrivez à les impliquer s'agissant ici des différentes approches? C'est une excellente question, Patrick. Edouard, peut-être que vous souhaitez répondre à cette question. Merci, Patrick, pour cette question. Et oui. Alors, parfois, on est limité dans le temps. Alors, c'est vrai qu'on cherche toujours comment concevoir au mieux un programme. Alors, c'est vrai que s'agissant des commentaires de la communauté, du feedback de la communauté sur la situation à laquelle la communauté doit faire face, il faut prendre en compte ces différentes priorités dans vraiment la conception de l'étude. Et même après cette phase de conception, ces premiers ateliers, il faut valider
même finalement les scénarios que nous avions, nos hypothèses, pour voir si pour eux cela correspondait bien à la réalité. Et oui, lorsqu'on avait ici cette validation, eh bien, nous pouvons avancer. C'est important qu'il y ait une bonne compréhension. Donc, il faut prendre le temps d'écouter, c'est vrai. Et il faut évidemment écouter les enfants. Et même hier, notre leadership a rencontré ici des enfants d'une communauté pour voir quels sont les besoins, les problèmes au sein de la communauté, comment est-ce que des solutions pourraient être élaborées. Donc, en fait, c'est pris en compte dès les premières phases, dès la phase de design, de conception. De même, chers collègues, il faut absolument faire preuve de transparence et gérer les attentes de la population. Nous sommes une ONG internationale. Lorsqu'on arrive, nous comprenons évidemment que les besoins humanitaires dépassent nos moyens financiers. Donc oui, il faut écouter la communauté, valider le design, la conception. Mais je pense que, Edouard, vous serez d'accord avec moi, il s'agit aussi de trouver un équilibre entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Là encore, il faut trouver un équilibre. On ne peut pas tout faire. Est-ce que je me suis bien exprimée, Edouard? Absolument. Il faut toujours trouver un équilibre. Les besoins, évidemment, sont toujours là au sein de l'engagement de la communauté. Donc, il faut ici se pencher sur ce qui est possible de faire à notre niveau. Alors, parfois, on peut obtenir des financements supplémentaires en fonction des besoins. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas toujours possible. Ça dépend des activités. Donc, de toute façon, on cherche toujours à répondre aux besoins de la communauté. Alors ici, est-ce que vous négociez avec les bailleurs de fonds pour avoir plus de flexibilité? Et sur quelle base? Par exemple, ici, pour les communautés, elles peuvent parfois vous dire: voilà, il peut y avoir un mécanisme ici de responsabilisation des communautés où, en fait, en passant par une hotline ou toute autre approche différente, on peut ici écouter la communauté et s'assurer que l'on peut intégrer ici les questions. Par exemple, si c'est une question ici de sécurité dans certains villages, et donc, il faut les écouter, s'assurer que ces éléments sont bien intégrés. Et cela fait partie des activités que l'on a. Alors, peut-être qu'il nous reste encore le temps de poser une question. Il nous reste encore 2 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou alors peut-être des commentaires de conclusion ici. Peut-être vous, Giovanna. Alors ici, n'hésitez pas. Ici, si vous voulez également noter vos commentaires sur le Jamboard, donc notre tableau interactif, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on pourra encore les poser pendant notre session plénière, donc ce n'est pas fini. N'hésitez surtout pas, donc comme je disais pour les questions. Alors, comme il nous reste juste 1 minute. Personnellement,
personnellement, je pense que c'est très intéressant par rapport à votre approche. J'ai été particulièrement intéressée. Donc, c'est important de voir aussi votre coopération avec les autres. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans la protection de l'enfance avant d'occuper le poste actuel. Et c'est vrai que tous ces aspects concernant l'intégration de ces analyses sur la protection de l'enfance, je pense que c'est très intéressant et d'essayer de voir comment travailler avec les différents secteurs. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Et partager ici vos outils, ici, les tests, c'est extrêmement intéressant. Et vous avez parlé du processus aussi de validation. Et c'est vrai que ce sont des outils qui sont très intéressants, surtout s'agissant de la collecte des informations. Donc, c'est le début de tout le processus ici. Et il faut inclure évidemment les communautés, vous l'avez dit, impliquer l'ensemble des secteurs. Et je pense que lorsqu'on arrive à faire cela, c'est déjà un très bon point de départ. I am as confused as you as in terms of what to do. Because we're in the plenary one, I think we don't have to do anything. I will just be put. Alors, je pense ici que nous allons juste attendre que tout le monde nous rejoigne. Alors, dans quelques secondes ici, donc cette session sera close. Donc, merci à tous. Et nous vous retrouvons ici dans cette session principale. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, nous serions ravis de pouvoir y répondre. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat. Bonjour à tous. Vous voilà de retour. J'espère que vos discussions se sont bien passées dans mon groupe. Nous avions ici des liens également vers notre tableau interactif, si vous aviez des commentaires que vous souhaitiez noter. Et de même, ces tableaux interactifs resteront disponibles même après la fin de cette session. Vous pourrez continuer à ajouter vos commentaires. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Alors, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous serions ravis de pouvoir prendre vos questions. De même, nous avons également des questions pour vous. Alors, la première question avec Save the Children, quels sont les défis principaux que vous avez rencontrés et comment est-ce que vous avez réussi à les surmonter, ces défis? Édouard ou Lynn, est-ce que vous voulez bien commencer par rapport à ces défis? Si je vous laisse 2 minutes peut-être pour répondre. Merci beaucoup, Gia. Alors, en fait, en groupe de travail, nous en avons légèrement discuté. Mais c'est vrai que par rapport à ces défis, je pense qu'en fait, les besoins ici sont tellement importants en République centrafricaine que l'objectif ici est de gérer les attentes de la population. Surtout lorsque vous êtes dans la phase ici de design, vous arrivez en tant que ONG internationale et je pense que les attentes sont nombreuses, mais peut-être qu'Edouard, vous voulez ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Lynn, vous avez raison.
Cela fait partie des défis auxquels nous devons faire face, trouver un équilibre entre les ressources et les besoins des communautés. De même, nous sommes une organisation ici qui se concentre sur les besoins des enfants. Et c'est vrai que comment est-ce que l'on peut rester concentré sur ce thème alors que les adultes, parfois, eux, ont beaucoup d'autres préoccupations. Donc, c'est important de pouvoir ici garder le cap. En République centrafricaine, nous avons aussi toutes ces questions qui sont en lien avec l'accès, où nous avons aussi ces zones qui parfois ne sont pas toujours très accessibles pour des questions de sécurité, d'infrastructure. L'étude que nous avons menée à Bangas, eh bien, on aurait voulu ici eh bien, qu'avoir d'autres membres des équipes, mais malheureusement, eh bien, on ne peut pas se déplacer en véhicule, il faut prendre un vol. Et donc, les équipes sur le terrain, c'est évidemment très important, mais ça n'a pas été difficile. Donc, c'est pour cela, s'agissant de l'engagement avec la communauté, avec les différents experts, c'est vrai que c'est important d'avoir une équipe solide. Donc, ça a été aussi une des difficultés. Merci. Merci à tous les deux. Même question pour Save the Children. Roberta, vous voulez peut-être commencer à répondre à cette question? Alors évidemment, la question de la sécurité est absolument essentielle. Nous avons les mêmes préoccupations ici. Et c'est vrai que c'est important par rapport à tout ce qui a été mis en place, à cet engagement. Et donc, ce sont des capacités qui parfois restent limitées en matière de suivi. Donc, pour nous, un autre défi est aussi parfois de maintenir une qualité de service. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Et je pense que c'est important de continuer avec cet engagement des communautés et donc de comprendre que parfois il peut y avoir ici des difficultés ou des impacts par rapport aux activités que l'on mène. Donc c'est important, je pense, d'avoir une évaluation qui soit solide par rapport aux besoins. Je pense que peut-être il y a d'autres commentaires que vous souhaitez ajouter. Salek, je suis désolée, nous ne pouvons pas vous entendre, excusez-moi. Oui, en fait, c'est vrai que par rapport à la coordination intercluster, l'engagement, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, mais il peut y avoir aussi beaucoup de changements au niveau des ressources par rapport à ce cluster. Et côté leadership, nous avons besoin de plus d'engagement du leadership, vraiment pour pouvoir maintenir tout le travail à effectuer. Et donc, c'est un objectif important pour nous, garantir ici qu'il y ait un engagement minimum au niveau intercluster pour s'assurer qu'ensemble, nous pouvons répondre aux défis, surtout en termes aussi de crédibilité, de légitimité et du respect de nos principes humanitaires. Donc ça, ça reste une grande difficulté pour nous. Je vous remercie, Salek. Alors, je vais donc ici poser une question pour Plan.
Alors, pour vous, quelles vont être les étapes à venir en cadre de votre projet? J'aimerais savoir comment votre projet va évoluer. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être répondre. Bon, je pense que ça intéresse nos participants aujourd'hui. Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup à faire encore, très clairement. Nous allons voir comment intégrer et appliquer tous ces enseignements afin de pouvoir prioriser cette lutte eh bien, contre le mariage des enfants dans notre travail au Zimbabwe, ici et aux Philippines. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons continuer aussi à publier toutes ces informations, notamment lors d'un événement au mois de septembre. Nous reviendrons ici sur d'autres résultats de l'étude. On n'a pas pu aujourd'hui vous présenter ici la complétude de ces résultats. De même, avec d'autres partenaires, nous allons continuer à échanger pour développer ici une théorie du changement qui est un modèle du changement. Et tout ceci sera utilisé pour développer deux projets pilotes qui seront mis à disposition des utilisateurs externes également. Et un autre élément, c'est que sur la base de ce que nous avons appris pour cette recherche, nous allons également mettre en place une boîte à outils avec une analyse du contexte du mariage des enfants. Et normalement, ce sera disponible début de l'année prochaine. Et sur la base des discussions en groupe de travail, nous allons peut-être également développer ici eh bien, un atelier avec SenseMaker pour expliquer comment fonctionne cet outil. Peut-être que cela pourrait être utile à l'avenir. Donc voilà, encore des éléments ajoutés à la liste des choses à faire. Et bien évidemment, le partage des ressources eh bien, serait avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Claire. Merci, chers collègues de plan. Je vois deux questions. Première question. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez donc répondre aux questions. Mais sinon, voilà les questions. Voilà la première question. Et s'agissant de l'assistance et de l'accompagnement psychosocial sur le court terme et le long terme, parce que ce sont des thèmes ici qui peuvent être sensibles au niveau personnel et au niveau de la communauté. Donc, comment est-ce que vous abordez cet accompagnement psychologique? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Évidemment, toutes les organisations ici qui ont des expériences peut-être différentes. Nous cherchons tous, évidemment, à avoir des mesures de sauvegarde, de limitation des risques. En quelques mots, il nous reste une ou deux minutes. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Alors, peut-être que nous pouvons ici répondre à cette question parce que je pense qu'on a abordé cette question. Alors, en fait, c'est très difficile. Pour être honnête, on peut avoir les meilleures intentions du monde, apporter un soutien maximum, mais ça ne sera jamais assez. C'est pour cela qu'ici, il faut être critique dans notre approche, comprendre est-ce que l'on a besoin de ces données et comment est-ce que l'on connecte ces données. C'est pour ça que nous avons utilisé ces différentes méthodologies, parce que nous avons pensé ici que c'était une méthodologie qui respecte les victimes. Alors là encore, c'est important ici de comprendre comment fonctionnent aussi différents services. Alors, vous voulez parfois ici mener la recherche dans des zones ici. Eh bien, c'est plus difficile. Donc, s'il n'y a pas de soutien déjà en place dans ces zones, donc ici, il faut peut-être essayer de comprendre si la population bénéficiera ou la communauté bénéficiera d'un certain soutien une fois que vous serez parti.
Donc, en fait, évidemment, c'est toujours ici et bien équilibre. Il n'y a pas de situation parfaite entre le risque et risque et bénéfice. Donc, c'est important. Il faut tout de même se focaliser sur les populations. Et là-dessus, j'aimerais également ajouter qu'il est important de prendre en compte eh bien, tous ces éléments dès le début avec le cahier des charges lorsqu'on négocie avec les équipes sur le terrain, comment est-ce que l'on va collecter ces données, surtout sur la violence sexuelle qui est extrêmement sensible. Eh bien, on n'a pas de groupe, par exemple, eh bien, de focus group ou de groupe de discussion entre garçons et filles ici, parce qu'évidemment, ce serait difficile. Donc, je dirais qu'il y a des considérations tout de même critiques et des limites. Et je pense qu'on peut obtenir des données par d'autres sources. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de poser toutes les questions sensibles lorsqu'on est dans un groupe de discussion. Alors, évidemment, vous avez aussi différentes solutions, notamment l'approche vignette, où vous pouvez aborder des sujets sensibles avec, des avec la communauté. Merci beaucoup, Lynn. Je suis sûre, Roberta, vous aussi, vous auriez souvent ici d'autres éléments à ajouter. Cependant, nous avons une autre question, donc je vous propose plutôt de passer à cette autre question. Est-ce que vous avez partagé les résultats de cette consultation avec les enfants qui ont participé? Et si oui, comment est-ce que ces résultats ont été perçus? Alors, évidemment, ce sont les mécanismes ici de feedback et s'assurer que l'engagement commence par le début et va jusqu'à la fin du processus. On prend donc le feedback pour que les communautés se sentent impliquées et voient le résultat dans le cadre du cycle de projet. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre. Alors, comment est-ce que les communautés perçoivent ces messages par la suite ou pendant le projet également? Alors, nous l'avons dit, il ne s'agit pas ici juste de collecter des données. Il s'agit réellement du travail au sein de ces communautés. Ça prend du temps. On travaille à ces différents niveaux. Il nous faut donc impliquer également différents groupes. Et ça représente donc tout un travail à faire. Et c'est important de s'assurer que toutes les informations sont bien ici ensuite retransmises et expliquées. Merci. Je suis désolée, nous n'avons ici plus le temps pour ces réflexions. Il nous reste une minute pour être précise. Je vois donc différents commentaires et merci pour ces commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de notre session ce matin. Je voudrais remercier tous les intervenants aujourd'hui. Merci pour toutes ces présentations très utiles. Nous allons vous demander ici de bien vouloir noter dans le chat ce que vous avez retiré de cette session. Alors, par exemple, et pour moi, et bien, le message que je retiendrai, c'est que l'engagement des communautés est possible, que ce n'est pas si difficile et qu'il n'y a pas d'excuses pour le faire, mais que d'un autre côté, l'implication des communautés eh bien, requiert également une implication dès le début grâce à des besoins multisectoriels et qu'on ne peut pas juste avoir une approche unisectorielle. Il faut ici faire preuve d'ouverture, impliquer les différents secteurs. Voilà, ce sont les messages ici que je retiendrai. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Merci à tous d'avoir participé. Et nous vous retrouvons pour les sessions ici suivantes de la journée. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci et au revoir.